Yo tout le monde, bienvenue sur mon nouveau vidéo sur les Arithyreuques. Aujourd'hui, je vais montrer mon petit bébé Lesa qui a 15 jours et 15 jours et un jour. Et je vais montrer comment on change le papier Citou dans la boîte à mu et comment on modifie deux fois par jour. Je vais montrer. On va voir le petit bébé Lesa et tout ça. Là, je vais montrer le petit bébé lézard. Je l'ouvre d'abord. Attendez. Hop. Voilà, il a 15 jours et un 15 jours, 2 semaines et un jour. Maintenant, je vais montrer comment changer le papier c'est tout dans la pâte à mu. Ça va d'abord, voilà, on tue le papier, le vieux papier c'est tout, et on met un nouveau. Il faut faire ça une fois par semaine, changer le papier c'est tout. Et alors il faut le modifier avec de l'eau. Oui, voilà, je vais le modifier. Pas trop non plus. Voilà, assez. Maintenant, on va modifier sa cachette. Je vais ramasser d'abord son petit caca ici. Voilà. Sa petite crotte. Voilà, j'ai ramassé sa petite crotte. Je modifie là, pas trop. Regardez, il est magnifique. Et tout ça, il est très beau. Il est très beau. Maintenant, je vais mettre sa petite cachette. Oula. Il a encore un peu peur, mais c'est normal. Il ne connaît pas le monde d'humain. Le monde de l'humain. C'est normal, c'est un nouveau-né, il a encore peur. C'est logique. Hop là. Il est encore un peu. Mais qu'il aura quelques mois, il aura plus peur. Et tout ça. Regardez, la blanche ici commence à changer de couleur. Avant, il était tout blanc. Les bandes ici, sa banque ici, il est tout blanc. Maintenant, il a tout commence à changer. Et tout ça. Il va commencer à bien changer. Et tout ça. Voilà. Et oh, ici, j'ai pas fait de vidéo. J'ai eu une nouvelle ponte de je sais pas qui. Il y a une qui m'a pondu hier. On voit pas très bien, on est à la bouée. Il y a une qui m'a pondu hier, j'ai pas fait de vidéo. Et là, les yeux de Navis sont pas façonnés. Sont pas, le petit n'a pas grandi et tout ça. Et voilà. C'est des yeux qui sont pas, qui fonctionnaient pas. Bon. Une chance ou deux. Et là, hier, il y a une qui m'a pondu hier, je sais pas c'est qui. Dans le terrarium ici. Je sais pas qui. Il y a une qui m'a pondu. Et voilà. Maintenant, je vais fermer son bac de rangement. Maintenant, regardez toutes mes vidéos sur YouTube. Abonnez-vous. Plus de questions, likez ma page Facebook. Je répondrai certaines de vos questions. Et à la prochaine.